Bien-aimés, vous êtes divinement favorisés. Jean chapitre 1, verset 16 nous dit: et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes divinement favorisé et il est important que vous le reconnaissiez. Lorsque nous parlons d'être divinement favorisé, cela signifie que la grâce de Dieu a été déversée sur vous en Jésus-Christ. La Bible dit: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17. Romains 5, 17 dit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? C'est ce que nous avons reçu, abondante grâce. Notre verset d'ouverture appelle cela grâce sur grâce. Alléluia. De temps en temps, vous devriez déclarer: je marche et fonctionne dans la faveur divine. Rappelez-vous de la salutation que l'ange a adressée à Marie dans Luc chapitre 1, verset 28. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. La même expression est utilisée dans Éphésiens chapitre 1, verset 6. Mais mal rendu comme accordé. La louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Le mot grec est charito et cela signifie octroyer une grâce ou imprégner d'un honneur spécial, rendre capable acceptable ou être énormément favorisé. Alors, nous sommes énormément favorisés en son bien-aimé. Alléluia. Vous devez profiter de la grâce de Jésus-Christ à l'œuvre en vous. Avec cette grâce, tout marche. La terre vous répond, les cieux vous répondent. La vie est glorieuse et tout ce que vous touchez de vos mains prospère. Alléluia. Confessons ensemble. Dieu m'a accordé d'abondance grâce. Je suis favorisé à ses yeux. Je suis divinement favorisé de Dieu et positionné par sa grâce pour une vie surnaturelle et transcendante. Par conséquent, je vis et marche en étant conscient du facteur faveur. Et peu importe ce qui se passe dans le monde, je n'inquiéterai pas. Gloire à Dieu. Pour une étude approfondie, lisons Jean chapitre 1, verset 16. Psaume 5, verset 12 et Éphésiens chapitre 4, verset 7. Demeurez richement bénis. Amen.